Et on poursuit ce journal avec cet anniversaire fruité dans l'Aube. Le rosé des Riceys célèbre ses 70 ans. Et oui, il n'y a pas que du champagne en Champagne, une petite production quasi confidentielle. Sophie Dumais, Xavier Claisse. Rare et délicat, ce vin rosé cultivé en Champagne n'est pas effervescent. C'est au XVIIIe siècle qu'il commence à se forger une réputation, en particulier en Flandre et dans le nord de la France. On parle du vin gris ou vermeil ou des vins clairés d'hérissés qui sont parmi les plus réputés et on les appelle les pinots rosés d'hérissés. À la fin du 19e siècle, la crise du phylloxéra anéantit le vignoble français. Quelques familles de vignerons d'hérissés continuent tant bien que mal à produire ce vin rosé. Nous étions, on était 3-4 viticulteurs. Pour justement élaborer ce vin rosé. C'était plus un vin rosé, je dirais, de convivialité et de plaisir technique de vinification, de recherche de la perfection, plutôt qu'un, je dirais, un but totalement commercial. 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le rosé des Riceys est classé en appellation d'origine contrôlée. Les vignerons des Riceys ont cette idée, cette idée forte que peut-être ils pourront relancer leur activité grâce à ce vin à la fois réputé et traditionnel qu'ils avaient un petit peu laissé tomber. Et quand le champagne se développe, à partir des années 60-70, eh bien, bientôt le rosé d'Hérissé va devenir un vin à la fois de passion, mais un vin qui atteste aussi la compétence des vignerons ici qui font à la fois la vigne mais aussi qui font le champagne. Seuls 50 hectares dans les 866 que compte le vignoble des Riceys sont utilisés pour l'élaboration du rosé. Pour une production moyenne de 50 000 bouteilles par an et encore pas tous les ans, les raisins doivent être vendangés avec une teneur alcoolique minimum de 10 degrés. Les raisins vont macérer pendant 3 à 6 jours avant d'être pressés. Il y a un laps de temps qui va durer une heure dans les cuves où c'est plus du blanc et pas encore du rouge. C'est ce que nous, on appelle le goût rosé. Et on va séparer le jus du raisin, c'est-à-dire qu'on va le presser juste à ce moment-là. Alors si on le presse trop tôt, on a un rosé qui n'est pas fruité. Si on le presse trop tard, c'est du vin rouge. Ensemble, ils vont découvrir le millésime 1969. Puis on retrouve bien un équilibre entre le nez et la bouche. C'est bien complexe encore. Et puis c'est très long. Aujourd'hui, 25 vignerons élaborent ce rosé des Riceys, un vin de garde qui peut attendre de longues années avant d'être dégusté et délivrer son potentiel. Le vin, il est brillant, il a encore une couleur qui est superbe. Et c'est ce qu'on appelle une couleur garant, c'est-à-dire une couleur rouge avec quelques reflets orange dedans. Et quand on met le nez dessus, alors c'est des arômes un peu confits, un peu confiturés, un peu... C'est très puissant, ça pinote, comme ils diraient en Bourgogne aussi. À l'occasion des 70 ans de l'appellation, 20 millésimes seront dégustés. Une verticale qui remontera le temps de 2010 à 1947.